Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure et date, nous allons suivre la vidéo ça. Donc moi c'est Toussaint John Wesley. Dans la vidéo ça, nous allons partager avec vous un sujet qui est vraiment important, qui c'est la bataille de Vectière. Mais, juste avant que tu me remercies, ou même que tu prends le plaisir pour faire des commentaires, qui like, et puis, que tu veux faire des partages. Mais, ou même qui peut être pour la première fois, qui prend suivre la vidéo ça, prends le temps, prends le soin pour abonner avec Chanel là, fais des commentaires, like, et puis fais des batailles. La bataille de Vectière. La bataille de Vectière, c'était la dernière grande bataille qui t'a mené nous sous Chimé Liberté. Nous. Chimé pour devenir un peuple qui est libre et indépendant, dans la date 1er janvier 1904 aux yeux de tout le monde. Bataille ça, te démarré précisément à Vectière près de la ville du Cap Français. Dans le nord d'Haïti, le 18 novembre 1803, c'était capitale colonie à l'époque. Mais, après victoire, bataille Vectière, là, le cap français, t'as changé en cap haïtien, jouk, journée, jeudi. Bataille ça, c'était une bataille face à face entre l'armée napoléonienne, non, qui t'a dirigé par général Rochambeau, avec l'armée indigène, non, qui t'a dirigé par Jean-Jacques Dessalines. C'était une bataille qui était durée 11 heures de temps. Elle était commencée à 4 heures du matin par Clairvaux, qui t'a pral fini à 3 heures dans l'après-midi. Mais, sans doute saisi, lutte qui t'a pral mené nous dans le 18 novembre 1803, ça t'a commencé déjà depuis l'année 1802. Parce que Dessalines te gagne un parcours, il était allé tout partout pour te motiver la population. Nécessité qui gagnait pour mettre tête ensemble. Juste, pour faire base révolution, pour commencer à préparer l'indépendance. Pour commencer à préparer la grande bataille, ça, qui c'était la bataille de Vectière. Là. C'est dans même tourné ça. Dessalines te fait. Les poils commençaient à nommer plusieurs générales divisions dans plusieurs départements stratégiques. Par exemple, Capra dans le nord-ouest, Christophe à Clairvaux dans le nord, Pétion dans l'ouest et Geoffroy dans le sud. Par curiosité de Saline, les débats généraux ont quelques soutiens. Les avaient dit, les voulaient aider. Eh bien, ça le fait, ils étaient obligés de nommer. En plus, quelques générales de brigade pour capable aider général division yo dans le travail que tu as fait. Comme ça, le 4 août 1703, bataille la pral commencé Mangomé. Chez où prend ville de Jérémy et puis soldats l'armée indigène yo pral désoccuper français yo toujours sous ordre papa nation dans tout pays. Par exemple, la ville de Saint-Marc, Fort Liberté, Jacmel, en Savo, Port-au-Prince et Okaï. Ça, qui t'a pas fait que Français yo t'a pas sauté, yo t'a pas perdu presque toute ville yo. C'était deux villes seulement, yo était toujours dans main yo, dans date octobre 1803, qui c'était au Cap et la ville Mol Saint-Nicolas. C'est comme ça. Dans la date 6 novembre 1803, Dessalines qui était go naïve, li monté dans le nord. Les rivières au côté qui relè Limbé, li venu en foule, un immense garçon, environ de 27 000 hommes, bien armé, aptan, ou bayou l'ordre, pour marcher là, te kap commencé à la manière des militaires. Yo t'a parcouru la ville de Limbé en chantant à l'assaut, ça qui mourit à faire yo. Non pour maman, non pour papa, ça qui mourit à faire yo. Juste, yo t'a entré au Cap Français. Le Dessalines rivé dans une longue distance. Les campés dans une localité, dans une zone qui était relée, Normand de Bézi, tout près au Cap. Et Bouakaïman, côté Boukman, te fait une cérémonie vaudou dans la date 14 août 1791. Sans doute qu'on est en plus,
Au Cap, c'est une ville stratégiquement qui est bien située, qui est bien placée. Mais malgré ça, et malgré tout, Français à l'époque te fait un pile construction dans entre ville ça. Ils te construit un pile fort avec un pile gros âme. Qui te vient rendre que l'était très très difficile pour yon l'autre camp entrer dans ville au Cap. Papa Nation, t'es bien compté, bien réfléchi, oui, l'était bien calculé. Ça veut dire pour Dessalines, plan li, c'est pour te bourrer en force sous Français yo. Pété beaucoup de zam sou yo, craser toute force résistance. Yo pack en pack, morceau en morceau. C'est ça qui t'a pas poussé de Saline sur Oasis Christophe et Romain. Pour te attaquer fort de la Virgie, qui par position li, qui te dominé presque yon belle partie de la ville du Cap. Parce que raison c'était tout simplement pour forcer soldats français à rester en bas dans la ville là et puis empêcher yo prendre mon pour yo. Capra la mort lui-même était choisi pour te dominer entre ville barrière bouteille là et puis Clairvaux pour te dominer fort Breda. C'est comme ça le 18 novembre 1903 à 4h du matin, bien bonheur, Clairvaux commencé lancer gros coup d'âme sous Fort Breda et aussitôt même tout foyou commencé attaquer. Les Rochambeaux senti café l'gèlè a poulé akma. Ça veut dire li senti le mêlé, li couri à l'abrité. Français yo couri, y a l'abrité yo nan position de la vertière. De là étant, tout général yo mette yo au garde à vous. Yo tout sous brésil yo. Y a fait coalition, y a avancé sous Français yo. En chantant à l'assaut, à l'assaut, à l'assaut. Et puis, gros coup de boulette a lancé, grande balle même a sorti tant que grande lapli dans des crayons. C'est comme ça, yon premier coup de boulette français a lancé, li prend chapeau Capra, et puis Capra crié en avant, en avant, en avant. Yon lancé yon deuxième boulette qui blessé cheval Capra, et puis Capra dit, boulette c'est poussière, en avant, en avant, en avant. À la sauce à qui mourir à faire yo. Action ça, te fait français yo content. Et puis yo, campé bataille là pour un moment. Juste, yo te kab, al félicite Capra pour bravo li, à courage qu'il te gagné. Après quelques moments, yo relance bataille là. Comme ça, l'aide Staline, ouais, Capra vle faibli, li relé un jeune officier. Environ de 27 ans d'âge, qui te relé Gaba pour te dégager par tous les moyens pour te monter charrier ensemble à concours Jean-Philippe Do à Clairvaux. Ils ont monté sur tête charrier, ils ont déclenché coup de zam sur camp français yo, avec tiers. Ça, qui t'a fait français, yo pas capable de kembe encore. Et puis yo t'es obligé craser quitter ça. Yo t'es fait tête basse devant l'armée indigène là. Dans jour qui était 18 novembre 1903 à 3h de l'après-midi. C'est comme ça. Dans demain 19 novembre là, au Chambon signe une convention pour remettre la ville du Cap à Dessalines. Et puis dans deux chevaux li te gagné yo, li bail Dessalines youn et li bail Capra l'autre là. Et puis le 4 décembre 1903, l'autre grande ville qui était nommée, qui était Mols Nicolas, était livré à Dessalines, le père de l'indépendance d'Haïti. C'est comme ça, le 18 novembre 1903, nous avons gagné bataille ça, qui était commencé à attaquer par Clairvaux dans Fort Breda à 4h du matin, et bataille ça, était fini à 3h dans l'après-midi.